Yes, sir. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Je vais vous élaborer un peu sur l'histoire de cette église, si vous payez attention. Mesdames et messieurs les membres du comité, les dames et messieurs aimables assistants, révérends pasteurs, mes frères et sœurs, permettez-moi d'avoir d'abord une pensée forte, reconnaissante, affectueuse pour l'ensemble de nos talents qui, depuis désormais 4 ans, de servir notre monde évangélique. Permettez-moi de faire également pour vous un petit rappel de l'histoire de cette Église. Qu'il me soit permis avant tout de rendre hommage à mon Dieu Tout-Puissant qui m'a excellé jusqu'ici. À ma femme, Adeline Biassou, Fonticampé. Sandrine Baratka Campela. Mais à cause de lui, moi là toujours, merci. À mes enfants, aux anciens membres, tels que notre mère, notre maman, Sœur Marilia. Fantiquant de vous, Sœur Marilia. C'est l'homme la plus ancienne à l'église là. Et c'est les plus chers bêtes. Merci. À Sœur Vania François, où est-elle? Sœur Vania François. Tout à l'heure, au gain pour elle. Et à tous ceux et celles dont je n'arrive pas à citer leur nom. Et c'est vers vous que je voudrais d'abord me tourner pour vous dire comment vous êtes chers à l'Église. Car grâce à vos efforts pionniers, vous avez pu donner la vie à l'Église. Rappelez combien de fois nous étions découragés, abattus et prêts à abandonner. Parce que la tâche était extrêmement difficile. Pour vous autres qui ont intégré à l'Église au fil du temps, les péripéties n'avaient pas commencé au moment même de votre intégration. C'était déjà une lutte acharnée et une bataille singulière pendant 4 ans. Cette estimation vous est faite pour vous dire combien ont été durs la traversée des mers tumultueuses et pour vous faire aussi voir combien et comment a été précaire notre situation. Cette institution religieuse, fondée le 27 décembre 2014,
et a été officiellement incorporé dans l'État de la Floride le 13 mars 2015. Est une institution indépendante, peut-être dans l'avenir, membre d'une mission. Pour nous expliquer ou bien, raison que fait l'Église s'est implantée ici à Orlando, c'est parce que moi j'étais interné à l'hôpital, Florida Hospital, côté que je me fais 16 jours éternés là. Et moi, j'ai une soeur, soeur Carol, lui-même qui est éterné en Haïti, l'hôpital. Et en pile monde, j'ai entendu, il y en a nous à mourir. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Et pendant que je suis à l'hôpital là, à chaque fois que je viens pour mourir, chaque 2h du matin qui arrivait, moi, je connais pour aller mourir. Un jour, le Seigneur te donne moi une opportunité de mettre des genoux à terre. Je te dis, Seigneur, moi, pas capable. Mais, moi, connais, c'est vous-même qui fait là. Moi, d'accord, qu'on y a. Mettez-moi à l'hôpital là. Je vais aller travailler pour vous. Et c'est comme ça. Il a cherché moyen pour qu'un bim là. Et finalement, je dis, madame, je ne suis pas prêté, non. Mais ça crivé parce que je prêt à laisser mettre mes sous moi, je accepté. Et bien, je prêt à faire un ministère. Madame, je dis, si c'est ça, oui, je avec vous. Et là, pour me sortir de l'hôpital là, il n'y a pas de vli. C'est dans le hallway. Il y a un bon papier assis, hein. Pour me capable de sortir. Et pour me sortir de l'hôpital là, eh bien, c'est Kembe, madame, m'a obligé Kembe parce que je ne suis pas capable de marcher. Et nous avons un peu de monde qui est venu avec nous. Et ils comprennent la situation, m'a dit là. Et lorsque je suis arrivé à la caille, je suis madame, nous chita ensemble. Je me dit, ça que je ne pas faire, le Seigneur voulait que je le fasse. Parce que je suis pour rentrer dans le ministère longtemps. Même pas de vraie raison, je suis passé pasteur dans la bêtise trop. Je suis méprisé pasteur trop. Depuis que je suis dans l'armée du salut, je suis allé étudier Jamaïque. Je me dit non, je ne suis pas allé. Pour que je suis pasteur méprisé, je dis je ne suis pas allé. Eh bien, c'est comme ça. En fin octobre, nous avons commencé avec un service de consécration. Et nous avons fait chaque dimanche, tout de blanc. Et nous avons plané à terre pour nous demander le Seigneur, est-ce que c'est volonté pour nous capable de faire ça? Et lorsque nous avons joint, OK, nous partis. Et le 27 décembre 2014, eh bien, nous avons commencé avec l'Assemblée ça. Nous avons commencé la caille, dans un petit appartement de vérité. Nous avons commencé là. Les quelques monde commencé à venir, nous avons dans l'air. Nous avons dit, impossible. Nous avons eu un pasteur avec moi. Le pasteur a dit, ouvre le garage. Il dit, nous allons faire l'église dans le garage, la caille. Et nous avons eu un autre pasteur qui vient. Nous voulons aussi bagailler pour vous, pour qu'on comprenne. Si nous là, c'est grâce à mon Dieu. L'un l'autre pasteur vini, et bien pasteur a metté ensemble avec l'autre pasteur. Et bien, il dit, il va faire l'église par eux. Parce que nous avons une soeur vini, il dit, il y a 25 moun avec. Et bien, monsieur, il prend soeur, il dit, il a pris 25 moun, puis il a fait l'église par eux. Et bien, il a vraiment vrai, il a fait l'église là. Après un mois et demi. Il y en a d'un relais pour dire, mon cher, l'autre là, son vol est lié. Il dit, mon cher, il n'est pas volé. Peut-être situation qui apparaît noire, mais il n'est pas volé. Ça qui passe. Il commence à prendre moins parole, et bien c'est moi-même qui mettais au là-dedans.
Il dit, mon cher, m'a retourné encore. Il retournait dans l'église là toujours. Et lorsque le retourné, nous recevons la deux bras. Et ancien monde qui là est capable de comprendre ça, est capable de dire ça. Et il a toujours. Et bien, il chita avec nous, il veut nous l'autre pasteur. Pasteur a dit, la balle responsable, il dit nous l'aller. Il y aller. Ça pas qu'on gagne deux mois, il est encore. Mon cher, dit, pasteur, c'est pas lui, c'est madame, ni pasteur, c'est lui. Dix serviteurs suspend accusé moun. Li dit mon cher, sans blesser dans l'église là, bon Dieu voulait pour rester, la retourner. Li retourner moi d'accord, nous retourner n'a servi très bien. Eh bien, en décembre, moi malade, mal l'hôpital. Le ça, c'est le ça me reconnaître que me fait sucre. Ou pas même non pas fait sucre encore. Le Seigneur guérit. Je connais que je fais sucre. Et bien, pendant que je suis à l'hôpital, là, je checké le sucre, je ne suis pas capable de contrôler. Et finalement, après deux jours, je fais l'hôpital, là, je viens de contrôler, je n'ai 800. Ceci, je fais 4 jours à l'hôpital. Le premier jour, je suis arrivé, je me relais, pasteur, pour me dire que l'hôpital, tout le bagage est même. Il n'y a pas jamais pris un téléphone. Ou jusqu'à ce que je parle aujourd'hui. C'est-à-dire, décembre 2017, je parle là. C'est-à-dire, ça fait un an. L'été, quand l'autre pasteur est venu, il prend le pasteur à Yopati, il y a le fond de l'autre église encore. C'est-à-dire, travail à Dieu. Travail à Dieu. Mais nous ne pouvons jamais reculer. Nous ne pouvons jamais faire bac. Parce que nous avons le temps à prendre comme ça. Et c'est ça que fait ma mandéo pour prier pour nous, pour le Seigneur capable de nous en vie. L'église, ça, si c'est l'homme qui t'a implanté, il n'y a pas de plan encore. Il t'a bien allé. Et lorsque nous sortons la caille, nous avons marché pour nous checker une place. Il y a un serviteur qui dit, mon cher, gardez-moi bon côté là, viens là-dedans. Et puis, on va adorer, mais il faut taper moins de zone janvier, parce que le prêt fait taxe. Il dit, mon cher, pas de problème. Je dis combien de copes pour me payer? Je dis pas besoin de 5 copes. Non, non. Les gens nous ont adoré, les gens nous ont offert, les gens nous ont adoré là. Et de, je crois que c'était de avril à novembre, nous avons adoré là sans pas payer un dollar. Et finalement, nous allons au côté de Bojaclien là, nous venons une place. Nous disons, monsieur, merci en pile. Et puis nous allons là, dans l'adorer, dans un petit coin derrière, pour les gens qui connaissent, frère, pour les gens qui connaissent. Et finalement, nous venons traverser dans une grande salle là. Et finalement, nous venons gagner un problème l'autre bois, parce que pas qu'un parking, il y a l'autre église qui vient. Et nous avons prié le Seigneur tout ensemble. Est-ce qu'on l'a vu? Nous avons prié le Seigneur dans nos places. Inattendument, le Seigneur là qui nous l'a. Lui dit nous adorer. Si nous avons bu que nous gagnons, ou tu as compris, ce n'est pas au hasard que nous l'avons. L'église sale est fondée pour construire une entité chrétienne viable, fissible et apte à promouvoir la prédication du message de l'Évangile intégral et gérer la vision du développement de l'œuvre par la création des embranchements à caractère spirituel, moral et social. Nous avons comme objectif d'amener par la prédication du message de l'Évangile les âmes à accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître et à devenir des disciples fidèles du maître. Enseigner la parole de Dieu par tous les moyens disponibles afin que les actes de la congrégation soient bien affermis dans la foi et dans les doctrines de Jésus-Christ. Présenter à tous la personne de Jésus-Christ, sa naissance, sa vie,
sa mort, sa résurrection, son contrôle souverain de l'univers comme des faits fondamentaux qui doivent orienter la vie de chaque individu pour que son existence ait un sens et un but. Organiser des programmes tendant au progrès spirituel, moral, social et matériel de ses membres en particulier et de la communauté en général. Amener les membres de la congrégation à comprendre la nécessité de propager et de contribuer au rayonnement de l'Évangile dans la communauté d'Orlando, dans la Floride et dans le monde entier. Par cette occasion, nous voudrions remercier de manière profonde et sincère tous ceux qui se sont dépensés corps et âme à la préparation de ce grand jour. En premier lieu, nous pensons à tous nos pasteurs, à tous nos pasteurs, à tous nos pasteurs, à tous nos pasteurs. Nous pensons également à tous ceux qui nous ont aidés à réussir cette semaine. Que le Dieu vous comble de ses grâces pour votre service impeccable. Les musiciens, les dirigeants et dirigeantes, les orchestres, les membres d'accueil, les cuisinières et tous. J'ai cœur en cette circonstance d'exprimer ma gratitude envers Jésus-Christ, notre excellent Sauveur, pour notre culte, malgré les maintes difficultés, subsiste encore ensemble, criant Alléluia. Maintenant, laissons de côté le passé, gardons en avant ce qui compte pour l'Église et pour nous autres. À cet égard, nous pouvons rester les bras croisés. Nous devons nous tous mettre la main dans la pâte afin de grandir quantitativement, spirituellement, matériellement et économiquement. Nous lançons une forte invitation à tous ceux et seuls qui n'ont pas une assemblée, de joindre avec nous pour continuer et pour rayonner l'éclat de l'Évangile de Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur et sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Merci. Que l'heure a marché, m'a fait un petit. Nous va excuser, s'il vous plaît. Nous gagnons quelques certificats, nous voulons remettre, mais avant tout, nous voulons souhaiter chacun de vous-même bienvenue dans l'Église de Dieu, ministère de la délivrance. Nous va dire Amen. Amen. Oh, nous bienvenue. Nous contentons-nous dans le Seigneur. Nous contentons-nous. Nous avons des gens qui entrent là pour la première fois. Tout le monde qui entre là la première fois, font un camp pour nous. Font un camp pour nous. Tout le monde qui entre là pour la première fois. Amen. Nous n'avons pas bien chance pour nous d'ailleurs parler. Mais nous comptons, nous comptons, que bon Dieu est capable de bénir. Nous avons aimé Pasteur Lefranc. Passez-moi ici, Pasteur Lefranc. Viens parler, bon secours, s'il vous plaît. Pasteur Lefranc, on va excuser notre mignon. Qu'on est temps à passer sous nous avons commencé un peu tard, et ça que je ne suis pas capable de parler. Donc, on a invité ma soeur et grand, capable de saluer, assembler à la gloire de Dieu, lui sauter juste pour être clairement, pour être capable de vivre ici. Que bon Dieu bénisse.